Salut, c'est Papa Gaming, encore avec Nox aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va jouer à un Run and Gun. Gun Force 2 de Irem 1994. Alors, attends. On va mettre quelques crédits. On va jouer comme des porcs, une fois de plus. Allez, j'en mets combien? J'en mets 30, ça devrait aller. Moi, je vais m'appeler Max. Non, putain, c'était très bien, Max. Ah non, c'était... Ah oui, c'est moi, je suis en deuxième payeur. Je m'en fous, là, c'est bien ça. Voilà. BCC. Donc, un Run and Gun de Irem. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais l'équipe de Irem qui a fait ce jeu, c'est les mêmes qui sont partis chez SNK pour faire Metal Slug. Par la suite, Metal Slug, bien connu de tout le monde. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes. Alors, sur l'aspect graphique, et là, ne serait-ce que sur les tirs bleus. Il y a beaucoup des lags de temps en temps. Ouais, ça rame un peu, mais c'est un bon bordel là, l'écran. C'est bizarre, mon pied, ma main, regarde. Ouais, c'est un petit peu particulier. Hop, là, ça accélère. Ouais, qu'est-ce que c'est, ça? Je pense que l'émulation est pas au top. Oui, mais non, j'ai pas l'impression que le framerate soit ralenti. J'ai envie, si ça se trouve, c'était comme ça sur la borne originale. Ouais, tu penses? Ouais, je pense pas, ça fait ça quand ça commence à ramer un peu. Il commence à y avoir un peu beaucoup de monde. Ouais, non, mais là, on est quand même deux. Je sais pas, je saurais pas dire. Celui-ci, j'y ai jamais joué en original. Oh putain, c'est un peu bordélique d'un coup là, quand même. Hein. C'est quoi tout vert là? Ouais, là c'est carrément un carnage. Ah, tu vois, si je tire pas, ça va vachement plus vite. Ouais, donc. Comment tricher et finir le jeu plus vite? Si j'avais fait la vidéo en un joueur, on aurait peut-être moins de ralentissement. C'est fort possible. On voit le souci du détail. Ouais, graphiquement c'est beau, hein. Ah ouais, on peut dégommer le. Les ennemis là, par exemple, les machines là, c'est flagrant quoi. On peut tirer dans toutes les directions, ça c'est pas mal. Alors que dans Metal Slug, on peut pas tirer dans toutes les directions. Enfin si, avec certaines armes, mais... Je suis la fille, moi. On va pas commencer à s'énerver. Oui, donc j'y ai quasiment jamais joué à celui-là, donc je joue assez mal. Et toi, tu le découvres? Moi, je le découvre, je trouve qu'il est déjà très joli, donc c'est bien. Et c'est le but. Voilà, donc c'est du pré-Metal Slug. C'est pas toute l'équipe de Irem qui est partie chez SNK, une partie, mais je saurais pas dire les noms, mais en tout cas c'est des personnes qui étaient essentielles. Pourquoi ils sont partis? Eh ben, tout simplement parce que Irem a mis la clé sous la porte. Ah. Et ils ont fini un jeu avant de partir. Le dernier qu'ils ont fait, je suis pas sûr, je me demande si c'est pas In the Hunt, mais franchement je sais plus, il faudrait que je refasse des recherches. In the Hunt, je sais pas si tu vois ce que c'est. Moi, c'est un shoot sous-marin, tu diriges un sous-marin, assez original, vraiment très très proche de Metal Slug. Ouais. Et les mecs, en fait, ils savaient que l'entreprise faisait mettait la clé sous la porte à une certaine date et se sont dépêchés de finir le jeu. Il y a une très bonne vidéo qui explique ça, une vidéo de Back in Toys. Voilà, donc j'avais toujours rêvé de... T'es une putain de bible en fait, toi? Non, bah j'ai regardé pas mal de choses sur YouTube et puis j'ai quelques bouquins. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait ces petits ralentissements, mais putain... Ouais, c'est dommage, oui, mais il y a pire, hein. T'entends le cri des mecs par moment quand oui, ils meurent, ouais, c'est exactement la même chose, il y a carrément des sons. C'est carrément les mêmes quoi. Le coup avec le coup du bras articulé, c'est assez bizarre. Hein. Oui, c'est assez déconcertant au départ. Ça, ils l'ont abandonné quand ils ont fait Metal Slug finalement, parce que c'est... Et là, regarde, carrément, regarde, là tu montes dans un robot quoi. Alors là, si on n'est pas dans du Metal Slug, franchement, ça c'est des slugs quoi. C'est ça. Ah mais non, mais moi je veux continuer à jouer avec. Regarde ça, le sprite il est énorme quoi, c'est magnifique, franchement je trouve que ça vaut le détour quand même. C'est un bordel pas croyable à l'écran. Ah non, me dis pas que t'as perdu ton slug. Non, je le dis pas. Elle est où ta limace? Ah, elle est revenue. Oui, je l'ai pas perdu, toujours là, t'inquiète pas. Je la protège.
qu'on peut sauter et tout, et c'est génial. C'est... Moi je peux pas sauter, parce que si je saute, je meurs. Ah bon? Ouais, non mais attention, parce que si tu fais un saut et que tu appuies sur le tir, après c'est là que tu t'éjectes de ta machine. Ah d'accord, et... j'avais jamais compris ça moi. Ah mais tu sais que dans Metal Slug, quand tu fais l'attaque suicide avec l'engin, que tu envoies le char sur l'ennemi, ouais. Hein, ben c'est ça. D'accord, j'avais pas compris ça. Ah tu t'as jamais utilisé l'attaque suicide dans Metal Slug? Non. Je comprenais surtout pas pourquoi mon Gugus il se barrait du truc. Chaque fois ça me gonflait. D'accord. Bon là par contre ce qui est relou c'est qu'il n'y a pas de barre de vie, je sais pas trop où t'en es sur le merdier là. Effectivement il est en train de péter dans tous les sens, mais est-ce qu'il est en train de mourir? Je crois que bah, dès que tu te fais toucher tu meurs en fait. Non pas toi, lui. Ah le boss, oui, bah là on voit le sprite se faire détruire petit à petit. Le pilote a vu, il essaie carrément de nous envoyer un dernier missile là, comme un enfoiré. Putain, oui. Bah il a réussi. C'est ouais. Génial, c'est génial. Franchement, c'est le genre de détail qui fait kiffer quoi. Mais tu vois, l'évolution du boss, les différentes attaques, c'est juste magnifique quoi. C'est du travail d'orfèvre quoi. C'est, voilà, c'est ça qu'on adore dans les jeux d'arcade 2D. Le petit cri là. Oui, c'est vraiment c'est du Metal Slug quoi. Ah bah écoute, oui, c'est le. Wouhou, regarde, moi je vole carrément. Yeah. Bon, ça c'est fait. Donc on a passé 25 crédits. Ouais. Ouh, mais dis-moi, je t'ai mis une roost comme il faut en point là. Ouais. Le sergent Musk. Ouais, faut croire que tu t'en sors bien. Ah bah moi je suis grand fan de ce genre de jeu. Ça veut pas dire que je suis très très fort, hein. Ah mais attends, on peut grimper au grillage. Oui d'ailleurs c'est les petites. Alors c'est pas des prisonniers qu'on récupère, c'est des playmates. Eh ben c'est très bien. T'as vu on peut s'accrocher au. Ça correspond tout à fait, mais c'est pas des playmates quoi, c'est des. C'est quoi? Des pompon girls. Des stripteaseuses. Mais non, c'est des pompon girls. C'est toi la playmate. C'est quoi une playmate d'ailleurs? D'où tu connais ce terme? Je sais pas. Je saurais pas dire pourquoi. C'était une émission, je crois, dans les années 80. Où il y avait de la playmate du samedi. C'était une émission ou c'est pas un bouquin plutôt? Non, c'était une émission. Parce que moi je connais les playmates, mais en bouquin. Ah bon? Attends, je vais rentrer dans le. Voilà, la défense anti-aérienne. Yes! On va pas faire un pli là. Bon, écoute, moi je ramasse les nanas et toi tu détruis le monde. Ouais. Les filles, on ira, on rentre à la maison. Ah ouais, mais là, les cris des mecs, ça, t'as vraiment l'impression d'être dans du métal. C'est bordélique quand même, c'est l'horreur, quoi. C'est clair qu'il y a... Je crois que Metal Slug, c'est peut-être propre. Un petit peu plus épuré, en fait. Ouais, clairement. Ouais. Là, c'est carrément un joyeux bordel. Non, mais il fait chier, l'autre, avec son flingue, là, qui balade partout, là. En même temps, ça permet de tirer en tous les sens, tu me diras. Eh non, je le veux. Ah, on a quoi? Non, c'est fini, on a fini le stage. On tape un boss. Putain, le robot, l'animation là quand il s'écroule, mais alors. Ah, je m'émerveille moi. Moi je m'émerveille parce que ça, là il y a du taf quoi. Mais exactement. Comme ça, là, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est que c'est vraiment le côté graphique qui prend vraiment le relais. Les détails, c'est vraiment poussé quoi. C'est vraiment poussé, voilà. Ouais, le seul reproche c'est que l'action est vraiment confuse par moment. Mais on peut monter dedans? Non. Non, c'est un ennemi. C'est dommage, je serais bien monté dedans. Et voilà, je me suis fait shooter. Je reviens. Il y en a un autre. Et tu crois qu'il y en a un autre? Ouais, allez, d'accord, je vais rester accroché au plafond parce que là, je me suis fait défoncer. Par contre, il n'y a pas de smart bomb. Alors, j'ai pas trouvé le bouton, non? Non, pareil, je n'ai pas trouvé le bouton. Il n'y a pas. À mon avis, il n'y a pas. Je vais rester perché au plafond. Je crois que c'est mieux. Ça, il y a un petit peu des airs à Metroid là, je trouve quand même. Hein. Metroid? Ouais, le bruit. Ah bon? Qualité graphique, ouais, je suis en train de remonter. Tu penses à quel Metroid? Le Super Metroid? Ouais, le Super Metroid. Sérieux? Ouais. Ah ouais, mais pourtant on en est. Ouais, si, il y a des petits délires, j'ai l'impression. Enfin, au niveau graphique? Ouais, au niveau graphique, au niveau quand il y a tout qui pète, il y a. Ouais, c'est vraiment pas mal. J'aurais pas pensé à ça, mais pourquoi pas. Ce bruit là, ce bruit d'explosion, moi ça me fait tilter. En tout cas, les jeux IRM de cette période là valent vraiment le coup d'être fait. Qu'est-ce que c'est? T'es qui toi?
un petit... Oh putain, mais il y en a deux. Ouais, ah putain, le ninja, là, il m'a découpé, là. Ninja Go. L'actualité, ça. Ouais. La musique est sympa. Mais le jeu est pas mal, je le connaissais vraiment pas, et vraiment, je kiffe bien. Alors bon, il faudrait faire aussi Gun Force, qui a été... mais Gun Force, le 1, il a été fait 3 ans avant. Il est un petit peu moins détaillé graphiquement, mais ça vaut le coup de l'essayer aussi. Ouais, il est vraiment bon, ça. Je suis agréablement surpris. Ah, je savais que ça te ferait. Et tu vois, regarde, là, encore une fois, ça fait comme des... Je passe mon temps à tirer comme un débile alors qu'il se passe plus rien à l'écran. Ah, c'est ça. Tu m'as parlé de Metal Slug, alors je me suis dit, tiens, je vais te faire découvrir ça. Tiens, ça c'est bon, c'est le créatif qui tombe. Attends, tu cours plus vite que moi, attends-moi. Je cours toujours plus vite que toi. C'est génial, ces espèces de grosses machines. C'est un bordel. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Ouais, ton langage châtié. Quand je perds, j'ai tendance à... À être mauvais joueur. Non, à dire certains mots qu'il faut pas dire. Et après, les enfants peuvent plus regarder les vidéos. Mais nous sommes tous des grands enfants. Oui. On n'a pas perdu trop de crédit encore. Un petit peu répétitif la musique quand même quand tu écoutes. Ouais, mais tu sais très bien que. En même temps, t'écoutes pas la musique. Dans les salles d'arcade, avec tout le bordel ambiant qu'il y avait, t'entendais que le bruit des tirs, les musiques, tu les entendais jamais. Là. Ah, mais ah, on est accroché à l'hélico. Moi, je veux ça, moi. Voilà. Regarde, moi, je me la joue contre A, là. Ah oui. Moi, je suis accroché à l'hélico. Me dis pas que c'est le boss. Espèce de. Une machine infernale, là. Oh, comment ça rame. Ah, il en chie, là. Alors, on est sur un bon PC. Donc, je suis pas sûr que ce soit le PC qui ralentit. Je me demande si c'est pas carrément l'émulation qui. Oui, regarde, c'est dès que tu meurs, dès qu'il n'y a plus de tir. Moi, je pense que c'est l'émulation, moi. Parce que tu sais que In the Hunt, par exemple, aussi, le jeu de Irem, très détaillé, connaissait beaucoup de ralentissements sur la borne. Ah ouais, carrément sur la borne. Ouais, 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 il était réputé pour ça. Celui qui a une PCB, il est malheureux, quoi. Alors après, ils l'ont ressorti sur Saturn. Il y avait aussi quelques ralentissements. Et la dernière version qui a été faite... Tu peux essayer de tirer sur la bestiole plutôt que sur notre hélico, boulet. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'essaie d'esquiver... Ah, voilà, je rentre dans le cercle. La meilleure version de ce jeu, je disais, donc, c'est... Voilà, je me suis fait griller. C'est sur PlayStation. Parce qu'elle rame pas. Oui, il n'y a pas de ralentissement. Donc, je l'ai, In The Hunt, sur PlayStation. Faudrait qu'un jour, je fasse une petite vidéo dessus pour vérifier ça. Il paraît qu'il n'y a aucun ralentissement. Donc, en fait, ça veut dire que sur In The Hunt, il y a des ralentissements, mais autant qu'ici. Eh ben, ouais, sur la version originale d'arcade. En fait, c'est tout la programmation du jeu, entre guillemets, qui fait ça, quoi. Voilà, je sais pas, les mecs, ils ont peut-être trop chargé en détail, je sais pas. Après, il faudrait que quelqu'un qui ait les souvenirs de l'avoir joué en arcade témoigne dans les commentaires. S'il se souvient que ça ramait comme ça. C'est vrai que ça rame, mais ça rame que quand il y a beaucoup de trucs à afficher à l'écran. Ouais, mais là, on est deux joueurs. Je pense qu'en un joueur, déjà, tu dois avoir un petit peu moins ce genre de problème. Mais comme dit mon avis, le problème, il est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? On se retrouve dans des espèces de Gundam, là. C'est vrai qu'ils ont essayé de varier un petit peu le gameplay, là. Alors là, on est dans un shoot, là, carrément. Quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire, toi? C'est quoi ce bazar? Ouais, c'est pas mal, c'est rigolo. Ah ouais, là, on a carrément des armures de Gundam, de mecs. Mecha. Ouais, c'est particulier, mais bon. Voilà, ils ont essayé de faire de varier les plaisirs. Oui, voilà, c'est pas plus mal. Et Nana, elle descend. Et Nana tombe du ouais, ciel. Ouais, on les sauve et elle s'écrase au sol. Ils se sont pas trop foulés sur le décor de fond là. Ouais, parce que t'es en train de monter. Ah, j'ai ramassé un item, ça a rien changé à mon tir. Non, non, non. Arrête de tirer. Ah, ça va plus vite quand on arrête de tirer. Ah, mon truc il est parti en miettes. Ah, mais toi aussi. Non. Ça va venir. Voilà. Attends, je vais griller tout le monde. Oh
Il est bien parce qu'en fait il est très bordélique comme jeu, ça perd jamais de crédit parce que par contre t'as l'air d'être surdimensionné en termes de puissance. Connard. Ça c'est con. Lui con. Attends, faut... je suis sûr qu'on peut les choper ces espèces d'engins là. Merde, putain, je suis mort juste à ce moment là. Bordel. Comme ça? Ah là voilà, t'es monté dedans. Attends, moi aussi j'en veux un. Bah non, je l'ai cassé. Oula, là j'ai du power là. Ah! Nom de Dieu. Pas de panique, pas de panique. Peut-être t'as des bras musclés, hein. Ouais, elle est costaud, hein. Il y a un truc que je trouve, c'est con parce que le jeu il est vraiment superbe, les décors sont superbes, les ennemis sont superbes. Et le sprite principal, je le trouve moyennement détaillé quand même. Regarde, on voit même pas le visage. C'est pas fou. Tu trouves pas, c'est un. Allez, tirez ! Va plus vite quand tu tires pas. On voit même pas le visage du héros, quoi. Ah. Zut alors! Ouais, paix de nana! Ouh! Où est la fille? Ah voilà, une petite séquence moto. Eh ben on aura tout fait, c'est bien! On aura tout fait, ouais. Oh, putain, tout en winning, quoi! Ouh! Ouh! Oui, bienvenue sur Extreme Games! Pas de problème, on peut même sauter, regarde! Yeah! Ouais, regarde, je viens de te voir, salut! Regarde, je passe sur la voie du dessous. Très maniable, hein, le jeu. Ouais, c'est du gros délire, quoi. En fait, le tir bleu, là, qu'on a quasiment de base, c'est le tir que t'as avec le char dans Metal Slug. C'est pas faux. C'est avec la tourelle, là. Allez, quoi. Eh ben, mais c'est pas mal, hein, tu vois, ça défoule bien, ça, putain, ça manque des fouloirs, ça. Ouais, c'est vrai. Là, pour ça, alors c'est pareil. C'est lui où t'as l'impression d'être overpower et que les autres, ils arrivent pas à ta cheville tellement t'es trop fort. Donc, je rappelle que je ne joue pas sur la PCB originale. J'avoue que j'utilise un émulateur, parce qu'évidemment, vous comprendrez pourquoi. Non, pourquoi? Pourquoi? Bah, procure-toi la PCB, fais-la marcher, hein, essaie d'arriver à la faire marcher et après on en reparle. D'accord. Là pour ça, l'émulation avec un PC qui va bien, c'est génial. C'est à la portée de tout le monde. C'est. Après, bon. C'est complètement officiel. On peut toujours discuter de l'autorisation ou pas de faire ce genre de choses. Oh, mais qu'est-ce que c'est plus une. Oh, putain, mais. Moi, je considère que je nuis pas à IREM en faisant ça, parce que déjà c'est. Ils ont voilà. Déjà, c'est une société qui n'existe plus. Et même si IREM voulait. Je sais pas, s'il y a quelqu'un qui veut ressortir une compile IREM, je crois pas qu'on lui porte préjudice, quoi. Je crois qu'en jouant à l'émulation arcade, en règle générale, on porte préjudice à quasiment aucune société. Putain, mais. Elle m'a agrippé, là, comme une saloperie, là. Non, par contre, ça fait de la pub pour tout quand même. C'est pas la même chose que de jouer à un jeu récent qui serait émulé, je sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, un émulateur 360. Là, c'est plus discutable. Là, pour ce genre de jeu, jouer en émulation arcade, moi, j'ai aucun scrupule, quoi. C'est des jeux qu'on peut pas faire autrement, de toute façon. Et en plus, ça permet à beaucoup de découvrir des jeux, tu vois, vraiment à pas cher, quoi. Bah ouais, moi le premier, comme dit, je le connaissais pas, tu vois. Voilà, sur les dizaines de milliers de jeux d'arcade qui existent, franchement, on n'en aurait jamais redécouvert autant sans l'émulation. Quoi. Moi, je tire mon chapeau à ceux qui dumpent les ROM des cartes PCB. Quoi. Putain, mais on peut pas se défaire de ça. Voilà. Dès que t'es agrippé, t'es foutu là, en fait. Allez, c'est bientôt fini. ouais, il n'y a pas la barre de vie du boss. Ça, bah oui, c'est comme tout à l'heure, il n'y en a pas. Et on voit qu'il s'use un peu, quoi, mais... Putain... Le timer est particulier aussi, parce que c'est pas les secondes, hein. Ouais. C'est pas des minutes non plus. C'est du temps. De toute façon, en général, dans ce genre de jeu, t'as toujours ton temps. Ouais, le temps, c'est pas ça qui manque. Bon, c'est le crédit qui... Ah, c'est maintenant qu'il nous bouffe, là. Ah, c'est fini. Non, c'est bon. Il est mouru. Putain, il m'a bouffé, il m'a fait perdre... Bah, c'est bizarre, un peu, comme gameplay, mais c'est pas mal, parce que du coup, ça en rajoute plein, différents. Ouais. Bon, on va tenter un petit peu le début du prochain niveau, puis on va pas spoiler la fin du jeu quand même. Capitaine Nox, wouh! Major Nox, wouh! Ouais, Major. Comment je suis niqué? Allez, mission 4, let's go! Allez. À moi! Moi qui pilote. Vas-y, monte dedans. Moi je suis dans la nacelle. Merde. Ah oui. Ouais, du coup, c'est pas mal ça, le côté de. J'en rajoute plein de gameplay différents, ça permet de varier les plaisirs. Voilà. Par contre, les pétasses girls, il y en a partout quoi. Putain, ouais, il y en a un paquet. Là, il est bien rentabilisé ce sprite, ils l'ont pas fait pour rien là. C'est clair. Ah, j'ai perdu ma nacelle.
Ah, d'ailleurs, depuis que t'as parlé de la nation, on a gagné 20 FPS. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y aura des tirés. Ah, ça va plus vite aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, ouais, c'est bordélique. En fait, dès qu'il y a beaucoup de monde, il en peut plus. Quoi. Ouais, 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 c'est clair. Petit problème sur la fluidité du jeu. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre au niveau des, ouais, tu des sprites, des détails, ouais, je pense. Je suis presque sûr. C'est pas faux, c'est vraiment, vraiment, vraiment bordel. Bon, et eh ben, j'espère que je l'aurai fait découvrir à plusieurs personnes. Oui, bah, déjà tu me l'as fait découvrir à moi, c'est cool. Voilà, merci. Et puis merci d'être venu encore dans une de mes vidéos. Bon, bah, écoute, je t'en prie, c'est pas comme si on habitait à côté, et la prochaine fois, promis, on fera une recette de cuisine. Ouais. Je vous apprendrai à faire du couliboy. Ok, la prochaine fois, on teste Léa Passion recette de cuisine sur DS. J'aurais préféré Léa Passion Playmate. Non, ça n'existe pas. Je te rappelle que ce sont des jeux pour enfants. Oui, bah, c'est ce qu'on dit à tous. Bon, et ben, on va se dire au revoir. À bientôt sur la chaîne Papa Gaming. Et merci à Nox d'être passé nous voir. De rien. Ciao. Ciao.